Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. Présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Gigabit. Il s'agit de la R9-270XOC. Cette carte est proposée par AMD pour compléter l'avènement du nouveau GPU. En fait, il s'agit d'un ancien GPU qui a été renommé. On retrouve des caractéristiques proches, voire tout simplement identique de celle proposée par la HD 7870. Mais découvrons cette carte car elle nous intéresse quand même énormément. C'est une carte Gigabit donc, avec carénage noir, mais surtout très très belle surprise, PCB noir. On regrettait très souvent que Gigabit nous propose des PCB bleus. C'est vraiment un réel bonheur de découvrir un PCB noir. La carte fait vraiment très bodybuildé et très belle. Le carénage est en plastique de qualité. Le refroidissement est assuré par trois ventilateurs. La carte a besoin de 2 6 pins pour fonctionner. Au niveau des sorties vidéo, on retrouve deux sorties DVU, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort. On vous laisse faire un tour de la carte graphique. Le refroidissement, c'est du WinForce normal pour la marque Gigabit. Pour marquer l'homogénéité de l'ensemble avec un beau PCB noir. Au niveau des caractéristiques, donc le GPU est à 1100 MHz, la mémoire est à 1400 MHz. La carte embarque 2 Go de GDDR5 en 256 bits et la carte profite de 1280 Shaders. Donc on vous a fait un test et on vous le livre très vite. Au revoir!